Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je vous dis la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Minute du Jour. Aujourd'hui, je vais vous poser une nouvelle question. C'est une question que j'aime bien en fait. C'est une vraie question, c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée. La question c'est, est-ce que tu sais que ton entourage, les personnes, ton environnement, les personnes qui t'entourent, ont un impact sur ta vie? Est-ce que ça, tu le savais? Là, je suis en train de te le dire, je suis en train de te l'apprendre si tu ne le sais pas. Ton environnement, là où tu vis, les amis qui t'entourent, ton style de vie a un impact sur ta vie. On dit bonjour au canard. Alors, si tu ne le savais pas, et ben maintenant tu le sais. Ton environnement, c'est-à-dire là où tu vis, ça impacte directement ta propre vie. Et si tu trouves que t'as une vie de merde, que ta vie elle est foutue, qu'il n'y a rien d'intéressant, etc., et ben sache que c'est directement lié à ton environnement. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester dans ton environnement, dans ta zone de confort, et y rester et continuer à te plaindre, ou alors tu vas te lever, tu vas te bouger ton cul pour pouvoir améliorer ton environnement? Moi, ce que je veux, c'est améliorer mon environnement pour avoir un meilleur style de vie, de meilleurs résultats en fait dans ma propre vie, améliorer mon environnement, mon style de vie, etc. Et dès que tu sais ça en fait, dès que tu sais que ça a un impact, forcément tu réalises beaucoup de trucs en fait. Tu te dis que en fait tout ce que tu as fait depuis le début, ça a été impacté seulement par ton environnement et par les personnes qui t'entourent. Si tu vois que tu as fait des mauvaises choses par rapport à de mauvaises personnes, c'est que ces personnes-là ont été néfastes pour toi. Alors sépare-toi-en. Parfois c'est peut-être dur, ouais c'est un beau copain, ouais c'est un gars, je rigole beaucoup avec lui. Mais si ce gars il te fait faire de la merde au final et que ta vie en fait elle devient pourrite, seulement à cause de lui, pose-toi des questions. Et c'est pareil pour ton environnement. Si tu te dis voilà, t'es dans un endroit, t'es dans un lieu, que tu fréquentes un lieu qui n'est absolument pas bon pour ta vie, pose-toi des questions. Dis-toi comment ça se fait que voilà, ma vie elle est comme ça. C'est forcément impacté par ton style de vie. Il y a ton style de vie qui est là et ton style de vie est directement impacté par ton environnement. Donc réfléchis sur ça. Réfléchis vraiment sur ça parce que je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider énormément
de savoir si ton environnement te plaît, si ton environnement te convient, si tu es sur le bon chemin en fin de compte, si tu te sens vraiment bien dans cet environnement, et ben vas-y continue. Si tu vois que ton environnement il te rapporte de la joie, du bonheur et tout ce qui s'ensuit, l'argent pareil, si tout suit, continue à l'améliorer et à continuer à vivre dans cet environnement là. Par contre, si ton environnement est totalement en désordre, j'ai envie de dire, fais de l'ordre, fais un rangement, fais quelque chose, parce que au final ça a un impact direct sur ta vie, que ce soit maintenant ou dans le futur. Tu vas me dire, ouais, le fait que ma chambre soit pas rangée, ça impacte ma vie. Et ben oui, sache que une chambre pas rangée, ça impacte directement ta vie. Peut-être que tu vas pas le voir, tu vas même pas t'en rendre compte, mais sache que oui, sache que le fait que ta chambre ne soit pas rangée, peut-être que voilà, justement, ça va te plomber le moral. Le fait que tu as le moral plombé, tu vas être moins concentré sur des tâches que tu dois faire. Et le fait que tu te sois moins concentré sur une tâche, tu le fais mal. Le fait que tu le fasses mal, au final, tu as des résultats tout pourris en fait. Donc voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais quand tu y réfléchis, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà, c'était ce que je voulais te faire partager dans cette vidéo de la minute du jour. Et réfléchis vraiment sur ça. Je remercie les personnes qui me font des retours. Donc sur cette série de la minute du jour, je savais absolument pas comment ça allait se présenter. J'ai fait les choses au feeling. Voilà, je me suis dit voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partager ça. Je sais que c'est totalement différent de ce que je fais d'habitude, mais voilà, j'avais vraiment envie de tester et c'était ma manière à moi de faire un peu ce que font tous les youtubeurs, c'est-à-dire des vlogmas, c'est-à-dire sortir des vidéos tous les jours durant le mois de décembre. Donc c'est ma façon à moi de faire mon vlogmas de façon intelligente, intellectuelle, enfin voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez cette vidéo et partagez-la si vraiment voilà, vous voulez que vous voulez parler à une personne, donc une personne qui pense que cette vidéo est pour lui. Partagez-la et surtout on se dit à demain dans la prochaine vidéo. Passez une très très bonne journée. Ciao ciao.